Marquer le premier point. Kanami Tashiro. Sur Kotikova, on va chercher Akimova. Chloé Mayer, la saison dernière, est un peu en deçà cette saison, même si ses stats sont très honorables. Et face à elle, celle qui va lui succéder presque à coup sûr, Vita Akimova. Eva Yaneva là, qui a été ralentie par le bloc. Taylor Mims encore, qui a choisi de pousser ce ballon. La défense assez peu académique de Jaksic. Rakoto Zafi qui lève ce ballon encore une fois. Taylor Mims, la belle défense de Kotikova. Défense aussi pour Jasper. Un joli rallye. Le soutien de Rakoto Fazi. On tente de passer par le centre, mais Samadan n'a pu que gratter cette balle. Et l'inévitable. Ils ont pu reconstruire après avec une attaque. 34 service gagnant. La réception Canetan encore en difficulté. Eva Yaneva qui garde ce ballon en vie encore une fois. Elle a essayé de jouer les mains, mais la main extérieure de Taylor Mims était limitée. Beaucoup d'opportunisme. C'était un bon service pour le coup, mais on se bat du côté du Volero. Et Akimova trouve une super devant Kanami Tashiro à la mise en jeu sur Simin Wang. C'est bien fort, très loin, et elle a bien alterné là, ses attaques. Pour elle, on va rappeler qu'elle n'a que 20 ans, hein, Vita Akimova, donc oui, elle peut avoir quelques failles encore dans. Selon vous, pour remettre Nantes dans le sens de la marche. C'est Kaout finalement qui est réussi par l'attaquante. Akimova, 1m97, hein, Vita Akimova. Kotchorina avec la réception de comment ce ballon trop bas que Jelinkin va se contenter de pousser en face. En mal d'inspiration, lève la balle à Akimova et elle fait le travail. Et là, dès que le service est mal, enfin la réception est mal assurée. Ça met dans ce deuxième set. Mais qui ne peut pas faire grand. La passe de qualité avec une. Ce sera le Canécan d'ailleurs à nouveau au gymnase Maillan. Et forcément. De volet azuré. Hein. La Dominique Astromilo a fait son entrée pour Nantes. Et la Belge qui se fait repose sans doute un peu ses titulaires pour les relancer dans le troisième set. C'est très tendu sur la diagonale. Et Kotikova qui continue à bien alterner, hein, ses trajectoires tombantes et ses trajectoires profondes. Le ballon est enfermé sur au poste le filet, 4. Voilà, le ballon sur le filet, les contreuses ont déjà les mains sur la balle. Isaline Sagé-Weider, la défense. Terrible coup. La belle défense à une main d'Oper à Koto Zafi. Défense également de Kotikova qui ne peut pas se replacer en attaque. Mais Vita Akimova, elle est. Du canet. Et plus 4 à. Son avantage, c'est vraiment qu'elle frappe sa balle très vite. Donc elle prend de vitesse le bloc adverse sur le timing de frappe. Vita Akimova qui en est déjà à 17 points sur ses bases habituelles. Et voilà le 18e. Pas dans ce match. Une réception compliquée là. Bonne relance de Chloé Mayer et la finition toujours un pas.
présent depuis le 10 février. C'est pour ça qu'on n'avait pas vu avant sur les terrains de Liga féminine. Trop jeune. En revanche, en Ligue des Champions, curieusement, elle était autorisée à rentrer sur le terrain, ce qu'elle avait fait avec...